Donc Gamecash, en fait, c'est une enseigne de jeux vidéo de seconde main et on a 30 ans, on aura 20 ans au mois de mars. Donc c'est aussi un anniversaire pour nous, donc je voulais le signaler. On fête nos 20 ans ce mois-ci. Gamecash, c'est un réseau spécialisé en jeux vidéo de seconde main. On va parler de seconde main demain, mais nous on fait ça depuis 20 ans. On le faisait même un peu avant, puisqu'on a commencé avec mon épouse qui est dans la salle, il y a 30 ans, dans le gaming de seconde main. Et il nous est venu, donc on est en franchise, on a 40 magasins aujourd'hui, donc on est le petit pousset de la compétition. Et pendant Covid, il nous est venu une idée, on s'est dit, on a pas mal de franchisés qui ont envie de se lancer dans le jeu vidéo d'occasion, mais qui n'ont pas un apport personnel qui est forcément satisfaisant pour le banquier, qui est quand même aujourd'hui le juge-arbitre de la création d'un magasin. Et on s'est dit, comment on va aller chercher cet argent, c'est le nerf de la guerre, et on va le demander à nos clients, en fait. On s'est dit, nos consommateurs, c'est une marque affinitaire, Gamecash, une marque de passionnés, qui achètent des produits rétro gaming. Je crois qu'il y a même des passionnés dans la salle, hein, qui ont eu des petits autocollants Gamecash, qu'on a travaillé un petit peu le vote déjà. Merci de m'encourager. Et donc, du coup, on a fait une opération de crowdfunding, et comme on ne sait pas faire, on a demandé à Tudigo, qui est une plateforme, de nous créer Love Money by Gamecash. Donc on s'est fait un site affinitaire de Gamecash et on a demandé à nos clients, à nos fournisseurs, à nos amis de nous prêter de l'argent pour qu'on puisse nous-mêmes le prêter à nos franchisés. Et on a lancé cette campagne à une période un peu compliquée puisqu'on l'a lancé le 15 décembre. Et donc le gaming, vous imaginez qu'à Noël ça se vend beaucoup et qu'on s'est dit solliciter les gens au moment où ils font les cadeaux, c'est pas forcément le meilleur moment. Donc on l'a fait du 15 décembre au 15 janvier 2023 et on a fait 204% de l'objectif puisqu'on a levé 104 000 euros.